l'ai appris à travers justement vos publications. J'étais un petit peu, enfin c'était bizarre pour moi, parce que à dire vrai, Thérèse, je ne l'ai pas beaucoup connue. Thérèse m'est parvenue à la mairie quand j'étais directeur de communication, des relations publiques et de la coopération. Je crois qu'envoyée par le DG Gassama ou El Malik, je ne sais plus qui, mais elle avait une interview à faire. Et elle m'est arrivée au bureau et avant l'interview, elle s'est mise à se présenter. Elle a dû me connaître avant. Elle m'a fait comprendre qu'elle était la fille de Irma Yvonne Bora, qui est une cousine à moi, et qu'elle tenait à se présenter d'abord à son tonton avant l'interview. Donc je ne l'ai pas beaucoup connue. Mais une chose est de savoir que c'est assez douloureux et très regrettable de perdre une fille, une femme je dirais même, à la fleur de l'âge, de manière aussi brutale, parce que beaucoup comme moi, je me rends compte, n'étaient pas au courant de sa maladie ou qu'elle soit alitée. Donc forcément, ça sonne de manière foudroyante dans le cœur des gens. Et nous prions à ce que ses parents gardent la foi. Hein, Yvonne est une femme très très forte, je la connais, on a grandi ensemble. Mais qu'elle aussi, pour elle, que le paradis lui soit accessible. Hein, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Je suis venu pour la levée du corps, comme tout le monde. Et comme tout le monde, on est triste, hein, parce que ce n'est pas une vieille personne. Donc on ne vient pas ici avec la joie de devoir rendre grâce à Dieu. Mais là, on est meurtri. On est meurtri, c'est triste. Tout le monde a un visage paradieux. Tout le monde a un visage attristé. Prions pour elle. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, parce que malheureusement, on ne peut plus rien faire. Beaucoup de douleur, beaucoup de compassion, mais également énormément de... En tout cas, comme c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui avec la perte de Thérèse. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas la radio Zig FM qui a perdu un élément important de son dispositif, mais c'est toute la presse régionale, voire même nationale, qui a été très affectée par la perte de Thérèse Edmond. Vraiment, j'en profite pour présenter toutes mes condoléances à sa famille biologique, mais également à toute la famille professionnelle. Elle était d'un caractère très jovial, très aimable et qui aimait souvent partager beaucoup avec les gens. Et je pense que moi, dans le cadre de mon exercice professionnel à Ziguinchor, je lui ai partagé beaucoup de choses avec elle. Et je pense qu'elle était une fille pleine d'ambition, d'espoir, mais également remplie d'espoir, en tout cas, par rapport à la carrière professionnelle à laquelle elle... Et vraiment, elle était très engagée. Mais aujourd'hui, le Seigneur en a décidé autrement. On ne peut que se plier à la volonté divine, tout en sachant qu'elle laisse derrière elle un grand vide par rapport à sa famille professionnelle, mais également par rapport à sa famille biologique. J'en profite pour vraiment présenter toutes mes condoléances au groupe Zig FM, aux dirigeants, au personnel, à ses amis avec qui il partage un cadre au quotidien, mais également à toute la presse de Ziguinchor.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez aussi à toutes les âmes, spécialement celles de Thérèse, et les âmes qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur nous avait donné Thérèse,
le Seigneur nous l'a repris. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. En cette dizaine, Seigneur, nous voulons te confier l'âme de la petite Thérèse, afin que, Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu la pardonnes toutes ses fautes et tu l'accordes le repos et l'été éternel. Par Marie, notre maman du ciel, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de l'âme. Thank you.
Sainte Thérèse aimait aussi dire « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Et au moment de rendre l'âme, la jeune sainte murmura « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Oui, notre sœur Thérèse Edmond est entrée dans la vie. Cette vie promise par Jésus lui-même, nous l'avons entendu dans l'Évangile. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Car je m'en vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez aussi. Car moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, je ne meurs pas, nous dit aujourd'hui Thérèse Edmond, j'entre dans la vie. Je pense que nous pouvons appliquer ces paroles à Thérèse Edmond, elle qui s'est endormie dans le repos éternel en ce temps pascal, après avoir reçu la parole d'espérance, le message de l'espérance chrétienne. Elle est entrée dans cette vie nouvelle, là où il n'y a plus ni souffrance, ni larmes, ni douleur, mais la paix, l'amour et le bonheur pour l'éternité. Confions donc Thérèse Edmond à l'intercession bienheureuse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Que sa prière et la nôtre ce matin soient pour Thérèse Edmond un puissant secours qui l'aide à se présenter avec pleine assurance devant Dieu notre Père, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre Saint qui trouve grâce, place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Seigneur. Amen.
présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante, Thérèse Edmond. Faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu en ton fils un sauveur plein de bonté. Et qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec mon esprit. Et pour notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur, notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Et moi, il est juste et bon de te rendre. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque parfois leur séjour sur la terre, ils ont déjà eu le demeure éternel dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur la famille implorée de Thérèse Edmond Eugénie, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Thérèse, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Alléluia. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Yes.
Repose ton paix. Amen.